stressée. Laisse-moi partir. Tu seras libre le jour que tu vas accoucher de mon enfant. Comment tu veux que j'accouche dans ces conditions? Je suis stressée. Déstresse-toi donc vite. Et le plus tôt sera le mieux. Je suis sûr que c'est toi qui as alerté la police. Oh, je ne te remets plus ce téléphone que j'ai éteint d'ailleurs. Le mien aussi est off. Donc on va rester ici jusqu'à ce que tu accouches de mon enfant ou alors tu me rembourses mon argent. D'ailleurs, on est coupé du monde. Pourquoi tu fais ça? Tais-toi! Nous sommes réunis ici ce soir en vue de la présentation du nouveau directeur général de notre société. De ce fait, je vais passer la parole à M. Kamdem, qui aura l'insigne honneur de présenter l'heureux élu. M. Kamdem, vous avez la parole. Merci, M. Tienté. Après consultation de quelques cadres de l'entreprise et de commun accord avec mon allié M. Mbarga, j'ai le plaisir de vous annoncer que la direction générale des entreprises Mbarga et compagnie sera assurée désormais par Alice Mbarga Marie-Paul, épouse BN. Pour ma sécurité, j'ai préféré revenir ici. La police ayant déjà été là, ils ne peuvent plus soupçonner que je suis encore ici. Ils iront me chercher ailleurs. J'ai besoin que tu me protèges. Ça, c'est pour payer ton silence. Merci, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Tu as intérêt à te taire. Bien. Permettez-moi de vous témoigner toute ma gratitude pour cette marque de confiance que je saurai honorer. Merci. Merci encore au conseil d'administration à qui je promets de travailler sans relâche, avec beaucoup d'enthousiasme pour faire grandir davantage les entreprises Mbarga et compagnie. Et surtout, leur faire gagner beaucoup d'argent et pourquoi pas augmenter le salaire de tous les employés. Ne va pas, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, mon ventre me fait mal. J'ai mal. Aïe, maman. Bois un peu d'eau. Ça va te calmer. Attention à tes blessures, s'il te plaît. Aïe, maman. Oh, aïe. Aïe, maman, mon ventre. Aïe. Ça fait comment? Ça fait mal, maman, ça fait mal. Aïe, ça... Oh, aïe. Aïe, mon ventre, maman, mon ventre. Je vais appeler l'infirmière. Aïe. Oh, yo, 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 mon ventre. Oh, au secours. Au secours. Aïe, oh, docteur, aïe, docteur, mon ventre. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Aïe, aïe, aïe. Calmez-vous, ça va aller. Oh, mon ventre.
Le brancard, on l'amène en salle de chirurgie. Le brancard, s'il vous plaît, à la salle 2. Oh, maman, aide-moi. Maman, aide-moi, j'ai mal. Grand frère, quelle surprise! Tu es vraiment sérieuse là? Par rapport à quoi? Oh, Alice. Pas toi! Je suis choquée que tu aies accepté de me remplacer. Ça signifie que tu cautionnes tout le mal que papa m'a fait. Bien sûr que je ne cautionne pas cela, Bill. Comprends que je ne pouvais pas laisser l'entreprise de papa chuter. L'entreprise ne peut pas chuter, Alice! Il y a bien des gens ici qui peuvent la diriger convenablement. Sauf que c'est une entreprise familiale et elle a toujours été dirigée par un membre de la famille. Écoute, Bill. Ça me gêne aussi de te remplacer. Mais tu as des soucis avec papa. Et il fallait absolument un membre de la famille à la tête de cette entreprise. C'est pour cela que j'ai accepté sa proposition. Oh, désolé, madame. Bonjour, monsieur. Déçois, Alice. Tout le monde, mais pas toi. Papa m'a demandé d'être forte. Et je serai forte. Oh, je suis vraiment fière que Alice ait accepté de prendre la direction de l'entreprise. Et de plus, elle se montre vraiment enthousiaste à bosser dur. Grâce à elle, je peux dormir tranquille en caressant le rêve que Cathy Ongene ne va pas te prendre ton entreprise. Ah non, elle ne peut pas me prendre l'entreprise. Je suis actionnaire. À la limite, ce qu'elle peut faire, c'est changer la direction et mettre quelqu'un des siens. Mais pour ça, il faudrait renverser l'alliance entre Kamdem et moi. C'est qui ne pourra jamais arriver, j'en suis sûr. Allô? 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 Pourquoi il y a des problèmes de réseau dans cette maison? Allô? Allô? Oui, allô, Anna? J'ai appris que ta fille Alice est nommée à la direction générale de l'entreprise. Waouh! Les nouvelles vont vite. Tu traînes à tenir à tes promesses et je me sens plus à l'aise ici. Il faut que je rentre. Mon enfant me manque. Oh, Anna, calme-toi. Laisse-moi agir. Tu commences déjà à mal agir. Tu m'as assez torturé comme ça. D'abord, le mariage frauduleux avec Ebongé. Ensuite, tu m'envoies en Italie sans me prévenir. Il est temps que tu fasses vraiment ce qui était promis pour moi. Baga, je ne suis pas ton jouet. Il s'agit quand même de ma vie. Ouais, tu sais bien que je t'aime bien et que je fonde beaucoup d'espoir sur toi. Tu aimes bien qui? C'est Alice. Alice. Je suis en train de lui passer un coup de fil pour l'encourager. Mm-hmm. Oui, 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 mon bébé. On fera comme tu as demandé. Oui, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Oui, papa t'aime. Vraiment, il faut les encourager, hein, constamment. Bonsoir, IP2. Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous? Je viens aux nouvelles de ma petite sœur. Ah, d'accord. Asseyez-vous. Votre enquêteur est dans le bureau du commissaire. Il vous reçoit dans un instant.
week-end. Hé, le vieux, ne vous asseyez pas là. Pourquoi? L'enquêteur ne reçoit qu'une seule personne, donc asseyez-vous plutôt par là. Bonsoir madame. Bonsoir IP. J'aimerais avoir les nouvelles de ma petite sœur. Ah oui, les opérateurs de téléphonie mobile ont ciblé leur cachette. Mais malheureusement, avant d'arriver, ils avaient déjà déménagé. Hé, hey. Hey, le vieux, vous allez où? J'ai dit, asseyez-vous là. Je ne m'assois pas. Je veux écouter ce qu'on dit au sujet de ma fille. Comment? Vous avez l'air têtu, hein? C'est quoi? Arrive la fois là-bas. Il a dit que je ne m'assois pas. Comment? Il fait jusqu'à... C'est quoi ça? Papa. Mais... Calme-toi. Le vieux, est-ce que vous savez que vous venez de taper sur un inspecteur deuxième grade en pleine fonction? Est-ce que toi-même tu sais que tu es en train de t'adresser à un successeur? Mbu Loko. Successeur du grand-père d'une famille de 1322 personnes. Tu connais le chapeau aussi? Chapeau de succession Mbu Loko. On m'appelle Mbu Loko. Tu parles mal à un successeur? Comment? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? C'est lui. Hein? Je veux m'asseoir et dire que lève-toi. Je veux me lever et dire que assois-toi. C'est quoi? C'est quoi avec toi? Monsieur, ici, on ne fait pas de bruit. Vous êtes dans un commissariat. Hé! Hey, une femme ne me parle pas quoi? C'est quoi? Vous êtes où là? Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Demain à 15h sur A+. Je suis surpris que tu aies accepté ce poste. Et pourquoi devrais-je le refuser? Par solidarité pour ton frère. Je n'ai pas compris pourquoi Alice a accepté de te remplacer. Elle n'est pas encore aussi mature pour pouvoir dire non aux parents, contrairement à Passy qui a refusé ce poste avant. Barda a aussi proposé ce poste à Passy. Il faut beaucoup de courage pour diriger une entreprise et sans avoir peur de qui que ce soit. Madame, Monsieur, votre série camerounaise, c'est demain à 15h sur A+. Ce programme vous est offert par les poudres à laver Dofi. Vos cheveux ne sont qu'un détail. Un détail qui embellit chaque moment de votre vie. Chaque photo, chaque mouvement, chaque expression. Luxéol pousse croissance et fortification. Prête attention à ce détail. Il améliore l'état de vos cheveux, favorise leur pousse, leur croissance et leur fortification. Pour embellir chaque instant de votre vie. Luxéol pousse croissance et fortification.